Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien, que cette semaine démarre sous de bons auspices pour chacun d'entre vous. Voilà, j'aimerais faire juste une petite vidéo pour ce lundi, pour inviter à garder focus sur vos ambitions. Les choses qui vous animent le plus. Le truc que vous savez que quand vous allez être sur ce chemin-là, ou c'est pas forcément un chemin, mais si c'est ça, bah c'est peut-être ça. Mais si c'est un changement de vie, un changement de lieu, un changement de je sais pas moi, de vie, de quelque chose que vous avez envie d'améliorer, quel que soit le domaine, ou même des projets, des choses que vous osiez peut-être pas auparavant entreprendre et que vous êtes en train de mettre en place pour y arriver. Voilà, peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé, qui prend du temps dans la durée afin que vous voyez vraiment les fruits de votre investissement, de votre rigueur et de votre discipline, eh bien j'aimerais envoyer un message, clin d'œil de courage et de focus, parce que je crois que c'est vraiment l'énergie qui accompagne cette semaine, à garder l'ambition de vos rêves, l'ambition de votre cœur, l'ambition de ce qui vous est propre, qui vous est le plus cher. Et finalement, c'est quoi la phrase clé qui peut vous aider dans des moments au courant d'une journée où on patauge un peu dans la semoule, on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme on aimerait, que ça va pas aussi vite qu'on voudrait, qu'il y a des choses qui voilà, il y a un peu des obstacles, il y a des challenges, il y a des difficultés aussi parfois quand même. Voilà, il y a des choses qui avance à un rythme, voilà, qui peut sembler parfois très long, selon les circonstances des uns, des autres, l'environnement, etc., etc. Et du coup, quelle est la phrase que vous pourriez vous dire quand vous voyez que vos pensées sont orientées sur le côté plutôt « j'ai pas ça, putain, c'est la merde, nanana ». Tu vois, ce genre de truc qu'on a un peu tous des fois quand même dans la journée. Pas forcément tout le monde, hein, mais ça peut-être parler dans des cas de circonstances. Et quel est le clin d'œil qui peut te refaire switcher en mode « Mais attends, c'est quoi mon objectif ?» Souviens-toi de ton objectif. Souviens-toi de pourquoi tu es là. Et du coup, la patience que ça suscite, hein, que ça invite à cultiver, à puiser, la force aussi, hein, parce que du coup, ça vient encore plus puiser dans nos ressources, notre ténacité, hein, dans nos... Du coup, ça a coupé, il n'y avait plus de mémoire. Et du coup, je voulais aussi dire... que aussi certaines personnes n'ont pas forcément d'ambition aussi. Ça peut arriver. Et c'est ok. Ça aussi, c'est important. Parce que des fois, on n'a pas d'objectif précis. On ne sait pas exactement. Ou l'environnement. Moi, je trouve que l'environnement joue énormément, en fait. Énormément. Pour vraiment l'avoir expérimenté, me rendre compte, en fait. Selon dans l'environnement dans lequel on est, mais c'est très difficile de se projeter en fait. Ou en tout cas, on peut garder un focus dans notre tête, mais de persévérer à y croire, c'est pas forcément facile quand on est entouré d'un environnement qui fonctionne pas tout à fait comme nous, ou qui a pas forcément la même ambition, ou les mêmes visions des choses. Et c'est très bien, hein, que tout le monde n'ait pas les mêmes visions, d'ailleurs je dis pas ça pour dire que catégoriser par le jugement ou quoi que ce soit, mais... C'est pour nommer les choses et essayer d'être le plus clair possible. Et du coup, je voudrais aussi dire aux gens qui se reconnaissent dans cette situation
que vous verrez que ah, tout vient à point en fait. Perdez pas l'objectif, même si sur le moment vous n'en voyez pas tellement. En fait, il y en a forcément un. Peut-être de partir sortir d'une situation, peut-être quitter quelqu'un avec qui ça va plus du tout, dans une situation, une relation dans laquelle vous vous sentez vraiment plus bien. Vous n'arrivez peut-être pas à partir, ou alors, je sais pas moi, peut-être un foyer dans lequel c'est très difficile d'y rester, mais vous avez pour obligation d'y être pour des raisons X, quoi. Je sais pas, des enfants, vous pouvez pas subvenir aux besoins dans l'immédiat et donc vous permettre de changer d'environnement tout de suite et donc de composer avec des personnes avec lesquelles c'est pas forcément évident. Voilà, je pense à des contextes comme ça, je pense voilà, des personnes aussi qui sont en phase de rupture, qui ça fait des années qu'ils sont ensemble mais ça va plus. Voilà, il y a des moments où effectivement il y a des changements qui se font et du coup il y a des prises de conscience qui se font avec le temps aussi. Des fois on n'a pas toutes les données, on a besoin d'expérience, on a besoin d'avoir plus de recul pour prendre des décisions. C'est ce qui aide du coup à revoir plus clair, à reclarifier son plan de vie entre guillemets, et ce sur quoi on a la main, du moins pour préciser, parce que je pense qu'on a la main mais pas sur tout. Et du coup je me suis un peu éparpillée, j'ai l'impression. Voilà. Et du coup j'aimerais dire que voilà, que tout vient à un point et que même si pour certains ça peut sembler nébuleux, souvenez-vous que voilà, il y a comme dans la nature des moments où le ciel est nuageux, pluvieux, couvert, venteux, grêleux, où il y a de la pluie, etc. Et que bien souvent ça laisse aussi place à de nouvelles éclaircies lorsque chaque intempérie est passée. Voilà, message clin d'œil. Et du coup, c'est vraiment, là j'ai eu besoin de grossir le trait, hein, je crois, hein, quelque chose d'un peu plombant, mais je sais pas, ça m'a fait venir là-dessus. Et en même temps, moi, pour les projets, les choses que je peux avoir, je sais que effectivement il y a un temps pour tout. Il faut de la patience, il faut de la persévérance. Et pour atteindre ce but, il faut composer avec des composants qui nous plaisent moins parfois, des fois bien, des fois pas trop. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous est demandé d'équilibrer et de nourrir, c'est la balance entre guillemets de ce qui nous plaît et de ce qui nous plaît moins entre guillemets, pour finalement y trouver une adaptation plus agréable en gardant le focus sur pourquoi est-ce que je fais ça. Et voilà, je pense que ça peut grandement aider. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des choses que vous savez bien sûr déjà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est... Moi, ce que je ressens, c'est l'énergie qui accompagne là pour cette semaine. Et que, ben... Je trouve que c'est bon à ressentir quand je me souviens des moments dans ma vie où il y avait des choses qui me tenaient à cœur. Tu vois, mais vraiment. Et je me disais, putain, mais je vais jamais y arriver, mais je vais jamais y arriver. Et puis un jour c'est arrivé, et puis quand c'est arrivé, mais je me suis dit, mais ça y est, what, c'est arrivé super vite et tout. Enfin, et après on fait, waouh, et en fait voilà, et ainsi de suite, on continue, on avance. Et du coup, Houhou. Non, je self-control, ok. La meuf qui essaie de cadenasser ses émotions alors qu'elle est à fleur de peau H24. Non.
Non, pas H24, faut pas exagérer quand même. Mais bon, quand même. Je pense que pour ceux qui sont là depuis un moment, ils me connaissent à peu près, un peu, ils vous situent un peu le personnage. Et bref, tout ça pour dire que bah du coup, on peut se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de moments dans notre vie où même on n'y croyait pas trop, on n'était pas sûr, et qu'en fait on a réussi. Bah voilà, du coup c'est hyper encourageant de se dire que ça a valu la peine d'y mettre autant de conviction, d'investissement, et voilà, pour avoir aussi ces petites victoires-là. Petite ou grande, tout dépend comment on vit les choses aussi. Et à quelle mesure il y a eu des degrés d'investissement aussi, je pense. Donc, comment je veux clôturer cette vidéo? J'ai pas prévu de tirer de carte. Si. Mais attends, parce que du coup, j'ai pas. Comment je pourrais. J'ai pas pris le trépied. Non, attends, j'ai posé là. Oh, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un truc. Ça enregistre encore ou pas? Oui. Système D. Oh, regardez les yeux gonflés, quoi. Moi, mes journées, je peux passer d'un éclat de rire à d'un coup. Je vais écouter une musique, un truc qui va me faire partir. Oh, mais dans un truc de toute une vie. Et du coup, putain, j'ai une tête. Ah bah t'es. Non mais la clé, là, regardez. La clé, j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit la clé. Ton destin t'appelle. Je trouve ça magnifique. Je vous lis son message. C'est génial, je trouve, parce que c'est vraiment un dessin hyper symbolique en lien avec. Bah, du coup, la notion du bien, du mal, les choses qu'on apprécie, les choses qu'on apprécie moins. Je trouve ça trop énorme, quoi. Et le message. L'univers t'envoie actuellement des signes et des synchronicités qui sont autant de preuves que la roue du karma tourne inéluctablement dans le but ultime de te faire rencontrer ton destin. Bah voilà. Je crois que pour clôturer la vidéo, ce message est parfait. Ça me parle énormément et merci. Et je pense que pour beaucoup, ça va parler. C'est le chiffre 9 de la carte. Le 9 en numérologie, c'est aussi beaucoup. Enfin, beaucoup. Enfin, c'est plein de choses, le 9. Mais pour moi, c'est vraiment. Ça symbolise aussi la fin d'un cycle. La fin de quelque chose. Pour passer à autre chose, en fait. Donc il y a un besoin de clôturer certaines choses, et pour clôturer certaines choses, il faut parfois, voilà, comme je disais tout à l'heure, pas de la patience, mais en même temps de l'expérience, je dirais, pour voir, être sûr de prendre une décision, et du coup finalement laisser aller ce qui a aujourd'hui besoin d'être amélioré, changé, harmonisé. Voyez-le comme. Bon, vous semble, ce qui vous parle le plus. En tout cas, voilà quoi. Pour moi, il y a voilà, cette semaine des choses en lien avec le karma, avec la roue du changement, avec les choses qui sont en train de se modifier, se mettre en place et de d'avancer. Voilà. Bon, allez. Je suis un peu dans mes pensées. Aujourd'hui, c'est un peu aérien quand même, dans ma tête. Je suis un peu fatiguée. Et puis, j'ai eu beaucoup de phases d'émotion. Donc là, voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. Ça sera. Voilà. Petit message. Maus costaud. Comment je le vis, en tout cas, pour l'annonce des énergies qui. Rythme et accompagne cette merveilleuse, bousculante, poignante semaine révélatrice aussi.
Il y a des choses intéressantes cette semaine. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Myself go, to let myself flow, is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back from me.